vient d'arriver sur l'île la plus peuplée du monde. L'hostel est méga cool par contre. En fait sur l'île il y a presque autant de coqs que d'enfants. Et du coup à partir de 5h du mat il y a genre toute l'île qui se met à chanter. C'est très sympa, hein, c'est très typique, mais du coup pas beaucoup dormi. On a fait un petit tour hier de l'île, c'était assez rapide. Ça a dû durer genre. Ah putain, pour même pas. C'est trop beau. Ça a duré genre 5 minutes parce que l'île est toute petite. Et par contre le soir, avant de se coucher, on a entendu du bruit d'enceinte sur la place publique. Et on allait voir, en fait c'était la messe du mercredi soir. Du coup on est resté là-bas pour voir à quoi ça ressemblait. Et aujourd'hui, dernier jour sur cette île avant de repartir demain matin. La légende raconte qu'il y a 150 ans, des pêcheurs se sont fait surprendre par la nuit. Ils pouvaient pas retourner chez eux, du coup ils ont dormi sur un petit bout de corail. Et ils ont passé la meilleure nuit de toute leur vie puisqu'il n'y avait aucun moustique. Le lendemain, ils sont venus donc agrandir l'île avec des coraux, des déchets, etc. Et c'est devenu aujourd'hui l'île la plus densément peuplée au monde. C'est un petit pop. J'ai perdu mes lunettes de soleil. On est encore sur l'île Santa Cruz de Les Slotés et on attend notre navette pour aller sur le continent. Et normalement, on a réussi à organiser pour que ce soit un tour et qu'on puisse voir les îles à côté. Donc on attend de voir, mais rien n'est sûr. On verra dans 10 minutes peut-être. Ou une heure. Ou une heure. On sait pas. On attend.
bateau. Et on n'a rien. Le mec nous a dit un truc, on n'a rien compris, on ne sait pas ce qu'on va faire. Petite coco fresca au bord de la plage, turquoise.